Et le grand guerrier tigre réussit une fois de plus à sauver les gentils pingouins qui vécurent heureux et eurent beaucoup d'eux. Sois sage, mon chéri. Je reviens tout à l'heure. Viens vite voir, c'est la balle de match. Tu pointes? Oui, oui, c'est mieux. Oui, oui, oui. La, 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 la. Bon, ben là, il n'y a pas à réfléchir 3 heures, hein, faut tirer. Salut Marcel. Oh là là, ça fait 8 à 0. Ouf. Eh ben, l'équipe de Marcel est pas hyper en forme cette année. Ils ont rien gagné depuis des mois. Ils manquent de réalisme dans leur jeu. Ouais, c'est vrai. Ma mère, elle m'a dit que c'est parce qu'ils se gavent de poulpitos et qu'ils font pas assez d'exercices. T'en veux plus? Non, 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 tu m'auras pas aussi facilement. Il est pour moi. Non, je crois qu'il est pour moi. Nous sommes désormais les maîtres de ce territoire. Et à partir d'aujourd'hui, vous nous donnerez la moitié du poisson que vous pêcherez. Silence! Et ne tentez pas de résister. Sinon... Me suis-je bien fait comprendre? Moi, je trouve que ces quelques cheveux blancs, là, ça te donne encore plus de charme, tu vois. Ça met en valeur ton côté crooner. Mais ouais, on se dit, waouh, ce type, il a du métier. Et puis, ils sont tellement magnifiques au naturel. Pierre, papier, ciseaux. Alors, moi, je te le dis, Fred, pas la peine de faire une couleur. Oh, je sais, c'est vrai, j'ai des beaux cheveux. Je sais, c'est vrai, je fais des envieux. Ils sont brillants et pleins de santé. Tout le monde admire leur reflet. Fiston, je crois bien que le dîner est servi. Alors on fait comme d'hab, hein? La tactique de tigre classique. Approche furtive, effet de surprise à l'attaque. Mais cette fois, tu peux essayer avec un petit rugissement en plus, tu vois? Pour impressionner ta proie. T'es prêt? À toi de jouer, mon grand. Montre-lui qui règne sur cette jungle. Banzai! Quoi? Oh, j'ai vraiment pas de veine. 3 fois que les tigres m'attaquent cette semaine. Vas-y, Junior, fais-lui sa fête. Pas de pitié! Oh, on dirait que c'est ton jour de chance, Fred. Junior a décidé d'être clément. C'est bien, Junior, t'es en progrès. Mais j'espère que je suis pas décoiffé. Mais non, Fred, t'inquiète pas, il est nickel, ton brushing. Y'a plus moyen de se pomponner, on n'arrête pas d'être dérangé. T'as vraiment du bol qu'on ait pris un bon petit déj aujourd'hui.
Bien joué, fiston. Il a eu la trouille de sa vie. Écoute, Maurice, je sais bien qu'il faut que Junior s'entraîne, mais quand même, t'as bien vu qu'on était en plein boulot. Vous savez, il n'y a pas d'horaire pour les bêtes sauvages. On suit juste notre instinct. C'est la loi de la jungle. Et la loi de la jungle? Elle dit qu'il faut empêcher les gens de dormir, la loi de la jungle? Oh, Gilbert, t'étais là? Je suis toujours là, Maurice. Ça fait 9 ans, 5 mois et 12 jours que j'ai pas bougé de cette branche. Et t'as l'air fatigué, dis-moi. T'as toujours tes insomnies? Tu sais bien que j'ai du mal à dormir la nuit. Et si en plus le jour, tout le monde fait des réunions, comme par hasard, à l'heure de la sieste, et comme par hasard, juste en dessous de mon arbre. Dis-moi, Maurice, il bouge plus beaucoup, Junior, là. Oups. Toujours se réhydrater après un effort physique. Bon esprit d'analyse, j'adore. Bon, un de ces quatre, Gilbert, hein, tâche de dormir un peu quand même. Et vous, les têtards, soyez sur vos gardes. Demain, c'est votre tour. Bon, c'est pas tout ça, mais on a deux ou trois éléphants à mater pas loin d'ici. Pink, fais quelque chose! Je t'avais bien dit que c'était pas une bonne idée, qu'ils avaient une drôle de tête, ces poissons. Mais non, Monsieur Pong a toujours raison. Mais j'avais trop faim! Puis ça fait des jours et des jours qu'on marche et qu'on n'a rien mangé! Et quand on est parti de la banquise, t'avais bien promis à maman d'écouter ta grande sœur. Mais non, voilà, Monsieur n'en fait qu'à sa tête, comme d'habitude! De toute manière, je t'avais dit que ça ne servirait à rien. Il n'existe pas, ton grand guerrier tigre. Il faut que tu te fasses à l'idée. Ça fait des années qu'à cause de la légende, tout le monde le cherche aux quatre coins du monde. Et personne ne l'a jamais trouvé, que je sache. Faut quand même pas réfléchir longtemps pour comprendre que tout ça, c'est que des histoires pour les bébés. Ouais, mais nous, on va y arriver. J'en suis sûre. Il existe et on va le trouver. Tu verras. Tu peux dire tout ce que tu veux. Pour moi, c'est réglé. Demain, on repart chez nous. Dans des situations pareilles. Eh oh, ça va, j'ai compris. Aide-moi plutôt à descendre de là. Tu es allongé sur une grosse bestiole. Ne fais surtout pas de gestes brusques. Merci, Pink. J'avais remarqué. Et je comptais pas danser la polka, alors qu'au plus... Mais quel gentil, Monsieur Maurice. Je vais te tirer tout seulement. Pas bouger. Excusez mon petit frère, monsieur. Il voulait pas vous réveiller. Bon, bah, on va pas vous déranger plus longtemps. Au revoir. Vous êtes quoi? Bah, comment dire, on est quoi, on... Ben, des pingouins. On est des pingouins, monsieur le gentil monstre poilu. Pingouin? Connais pas? Jamais tapé pingouin? Miguel content, nouveau copain à taper! Monsieur Pong, qu'est-ce qu'on dit là? On a bien fait de venir, c'est ça, hein? Oh, c'est sûr qu'on va le trouver! Et ton guerrier tigre, il est où là, hein? Il va venir nous sauver peut-être? Tigre? Monsieur Maurice? Vous, ami à Monsieur Maurice? Oui, oui, voilà! Monsieur Maurice, oui, 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 oui. Mais bien sûr qu'on est ses amis. On vient lui rendre visite. Mais on ne sait plus où il habite. Mais quel gentil. Mais quel vous amenez voir Monsieur Maurice demain matin. Faut pas dire à Grand Tigre que moi vous tapez, hein. Mais quel gentil. Ah oui, Miguel très gentil, très chaleureux, hein, Pong. Mettons les choses au point, petit. Ici, la terreur de la jungle, c'est moi. Les proies qui se baladent dans le coin sont mes proies. On n'est pas sans mon accord. Miguel aime bien taper copain. Toi, pas copain, Miguel. Mais Miguel te tapait quand même. Vilain tigre! Ça, c'est bien une attaque d'herbivore. Va falloir trouver mieux, mon grand, si tu veux m'impressionner. Et encore, t'as de la chance que j'ai déjà pris mon 4 heures. Mais quel gentil, Monsieur Maurice. Pardon, Monsieur Maurice. Maurice, plus grand guerrier de la jungle. Plus grand guerrier de la jungle. T'as entendu ça, Ping? C'est sûr, c'est lui. On l'a enfin trouvé. Ouais, ouais, peut-être. Mais bon, faudrait réveiller cette chose maintenant. Je commence à avoir mal partout, moi.
Monsieur Miguel. Monsieur Miguel. Tu sais, fiston, quand t'étais petit, j'avais vraiment peur que t'aies le même problème de peau que moi. Mais toi, heureusement, tes rayures s'effacent jamais. Pas besoin d'entretien. Allez! Bon, et ben voilà, une bonne chose de faite. Tu vois, mon grand, quand je prendrai ma retraite, ce sera à toi de faire régner la terreur sur ce territoire. C'est pour ça qu'il faut que tu t'entraînes si dur. Comme ça, je sais que tu seras prêt quand le moment sera venu. Encore. Tigre là, le son junior. Pas dérangé. Tu t'es bien débrouillé hier à la chasse, mon grand, mais faut encore revenir un peu sur les bases. Ton rugissement manque encore un peu de peps. Mais t'inquiète pas, c'est juste une question d'entraînement. On ne naît pas maître de la jungle, fiston, on le devient. Écoute. À toi, fiston! Eh ben, tu vois, ça vient! On sent bien l'intention, il faut juste rajouter un peu de son, écoute bien! Tu vois qu'il existe! Il est exactement comme dans la légende! Des rayures orange et noir, un air féroce, un cri qui glace le sang! C'est le grand guerrier tigre, on est sauvés! Bon, allez, quoi! On y va! On y va, on y va! C'est bon, Junior, t'as compris le concept? Excusez-nous! Ah! Hey, mais vous êtes pas bien, vous! On n'arrive pas par derrière comme ça sans prévenir! J'aurais pu vous blesser. Ah, fiston, j'ai jamais vu d'oiseau aussi bizarre. Et quelle drôle de façon de se dandiner en marchant. Elle le prenait pas mal, mais... C'est incroyable. Ah, tu vois, fiston, imposer la crainte et le respect, c'est la base. Alors, les amis, dites-moi ce qui vous amène dans le coin. Eh ben, vous êtes le grand guerrier tigre et on vient humblement vous demander de sauver notre village. Je comprends rien à ce que vous dites, mais des grands guerriers tigres ici, il y en a qu'un. Je vous écoute. Tout a commencé il y a quelques années, chez nous, au sud du monde, au-delà des océans, sur la banquise. Notre peuple vivait heureux, en paix et en harmonie avec la nature. Jusqu'à ce que d'ignobles créatures apparaissent. Les morses, venus de nulle part. Ils ont fait de nous leurs esclaves. Et notre peuple vit désormais... Kong, on n'est pas hyper confortablement installés là, donc si tu pouvais lui faire la version courte... Oui, non, enfin bref. La légende dit que seul le grand guerrier tigre et ses 7 impitoyables combattants de la liberté pourront libérer notre peuple du joug des méchants morses. T'as vu ça, fiston? Ton père est une légende. Bon, bah les gars, pas de problème. On va leur mettre la pâtée à vos méchants moches. Morses. Ah oui, voilà, c'est ça. On peut se lever. Oui, bien sûr, bien sûr. Au fait, ça ressemble à quoi, vos bestioles? Ils sont très grands, très forts et surtout très, très méchants. Eh ben, décidément, chez vous, les animaux, ils sont pas gâtés par la nature, hein. Bon, enfin un peu d'action. Tu vas voir, Junior, on va leur en faire baver. Je vais en faire qu'une bouchée, moi, de vos limaces. En parcourant. Mais la légende dit aussi que le grand guerrier tigre qui va nous délivrer sera accompagné de 7 impitoyables guerriers. Ah oui, c'est vrai. Bah, il y a Junior déjà, hein. Impitoyable, c'est son deuxième prénom. Pour le reste, dans cette jungle, il y a pas mal d'animaux que Junior et moi, on a épargnés. Ils ont tous une dette envers moi. Ils peuvent rien me refuser. Allez, risquer sa vie à l'autre bout de la terre. Moi, j'en ai pas envie, j'ai pas que ça à faire. Abîmer mon brushing, c'est pas dans mon standing. Me mouiller, me salir, je préférerais mourir. Eh ben, ça commence bien. Monsieur Maurice, Miguel pourra les taper, les mosques. Les morses. Mais oui, Miguel, tu pourras les taper autant que tu veux. Miguel, viens, monsieur Maurice. Miguel va taper les mosques. Miguel, jamais essayé. Taper, wow. taper. Hé, hey, c'est loin le sud du monde? Ah oui, très loin. Un voyage de plusieurs semaines. Waouh, ça c'est cool. Hey, Bob, t'as entendu ça? C'est l'occasion ou jamais de bouger un peu. Ouais, ça m'a l'air un peu dangereux quand même. Dangereux? Mais qu'est-ce que tu racontes? Il peut rien nous arriver. On est avec Maurice. Ouais, d'accord, mais je suis bien moi ici. Et puis on sait pas ce qu'il y a avec t'es là-bas. Allez, je veux trop y aller, je t'en supplie. Dis-moi qu'on va y aller. Bon, dès notre retour, je te préparerai du ragoût de mouche farcie avec des larves tièdes en entrée tous les jours pendant un mois. 2 mois. Maurice, tu peux compter sur 2 valeureux guerriers de plus. Avec Miguel et Junior, ça fait déjà 4. Je crois que c'est plutôt bien parti, non? Oui, mais il en manque quand même toujours 3 des guerriers.
Gilbert, ça te dit pas de venir? Moi? Non. Bon, ben, on va y aller alors, Gilbert. À bientôt, Gilbert. Ouais, c'est ça, ça me fera des vacances. Ici, tout seul, au calme. Tout seul. Tout seul. Je viens! Croyez surtout pas que vous allez partir sans moi! Ouais, bon, ça va. Allez, tout le monde, on y va! Eh oh, il nous manque encore deux guerriers! On recrutera en route! Bon, et moi alors? Comment je fais? Miguel. Plus souple la démarche, j'ai le dos fragile, moi. Et relève un peu ma branche. J'aime bien être auteur. Monsieur Maurice, Miguel peut taper la méchante souris? Techniquement, on est cousins, toi et moi. Je suis beaucoup plus proche du primate que du rongeur. Monsieur Maurice, Miguel peut taper la méchante souris? Non, Miguel, va falloir attendre les mouettes. Les morseurs. J'ai pas envie de partir. Pourquoi j'irais me salir pour sauver plein de pingouins qui habitent ultra loin? Hé les gars, attendez-moi les gars, vous pouvez pas partir sans moi. Bah ouais, il faut bien s'entraîner de temps en temps pour garder la forme. Alors. Moi, l'armée, ça me connaît, je suis prêt à vous accompagner. Gare à vous, méchants saucisses, la jungle débarque avec Maurice. La jungle débarque avec Maurice. Super, cochon, il va taper les monstres avec nous. Taper. Hé, on va pas s'ennuyer. Ping, regarde, un de plus, on est presque au complet. Oui, j'admets qu'il se débrouille plutôt pas mal pour la quantité. Mais pour la qualité... Mais enfin, Ping, on a trouvé le grand guerrier tigre et on est déjà en route. La légende se confirme, qu'est-ce que tu veux de plus? Notre peuple va enfin être libéré. Demain pour continuer. Bon, ben on va dormir ici cette nuit. Mais on n'a pas dîné. Je peux pas dormir le ventre vide, moi. Et mon bain de boue quotidien. Un teint de pêche, ça s'entretient. Il va bientôt pleuvoir. Et maintenant, hein? Comment on va faire, hein? Si on attrape une pneumonie? Oh, vraiment, l'organisation laisse à désirer. Bon, je crois que ça suffit. Si vous trouvez déjà que c'est difficile ici, alors je pense pas que vous tiendrez une seule journée sur la banquise. Autant vous prévenir tout de suite, là où on va, il fait froid tout le temps. Il neige un jour sur deux et il y a que du poisson et des algues à manger. Bah, pourquoi vous restez là-bas alors? Parce que c'est chez nous. Bien, nom de code de l'opération PND, Petit Nid Douillet. Miguel en position poste d'observation. Gilbert, balayage du secteur et localisation d'un endroit pour dormir. Je vois vraiment pas pourquoi je vous aiderai à trouver un endroit pour dormir au sec. Je vous rappelle quand même que vous m'empêchez de dormir depuis des mois. Alors vraiment... Miguel, méchante souris, tu vas chercher méchante souris. Ok. Je veux bien passer l'éponge pour cette fois. Bah tiens, il y a quelque chose là-bas. Comme par hasard, au moment où on en a besoin. C'est louche. Finalement, on serait peut-être mieux dehors. Autant pour moi. Des lucioles, pas mal le système d'éclairage. Celui qui habite ici est un futé, on dirait. Oh, vous me flattez.
jolis voyageurs. Entrez, allez, entrez donc. Je vois que je ne suis pas la seule à me sentir rassurée par un peu de lumière quand il fait noir dehors. Oh, je vois bien que vous n'osez pas demander. Mais oui, bien sûr que vous pouvez passer la nuit ici. Merci beaucoup. La pluie battante pourrait ruiner ma permanence. Mais on voudrait pas abuser de... Mais non. J'aime pas être seule, vous savez. Oh, mais comme il est mignon, ce petit. Comment s'appelle-t-il? C'est mon fils Junior. Et vous savez, il est pas si mignon que ça. Alors, petite terreur, ça te dit de rester un peu chez Tata Patricia? Bon, très bien, c'est réglé alors. Vous pouvez rester ici tant que vous le voudrez. Merci, mademoiselle, mais nous repartirons demain matin à la première heure. Notre mission passe avant tout. Oh, une mission? Et c'est quoi cette mission? Oh, excusez-moi, je suis curieuse. Ah non, pas de problème, c'est pas un secret. On doit juste sauver quelques oiseaux rigolos des griffes de gros vers de terre. Au fait, vous connaîtriez pas un aventurier par hasard? Parce qu'il nous manque encore un valeureux guerrier pour compléter notre équipe. Non. Je ne vois pas. Ah, c'est dommage. Dites donc, monsieur Maurice, vous croyez pas qu'une chauve-souris, ça pourrait être utile? Pour les vols d'observation, par exemple. Et pourquoi vous les feriez pas, vous, les vols d'observation? Hein? Vous êtes des oiseaux, autant en profiter. On sait pas voler, nous. Vous vexez pas, mais franchement, les grands trucs qui pendent sur le côté, là, c'est quoi? Hein? C'est pour faire joli. Non, pardon, mais des oiseaux qui savent pas voler, là. Bon, d'accord. Il nous manque quelqu'un qui sache voler. Oh, une chauve-souris. Génial. Salut, ça vous dirait de venir avec nous au sud du monde pour mettre une raclée à Deville Amorce? Quitter ma grotte? Je ne pense pas vraiment que je puisse vous être utile. Mais si, vous inquiétez pas. Vous ferez 2 ou 3 reconnaissances aériennes et c'est tout. Hein? Vous risquez rien. Les face-à-face un peu dangereux avec l'ennemi, je m'en chargerai avec Junior. Et Miguel sera votre garde du corps, si vous voulez. Hein, Miguel? Pas de problème, monsieur Maurice. Mais... c'est justement... vous savez, je ne peux pas vraiment faire de reconnaissance aérienne parce que j'ai le... Hein? Pardon? Parce que vous avez le quoi? Je le veux... j'ai le voyage dans le sang! Voilà, c'est ça! Justement, je me disais, oh! Et si je partais à l'aventure? Vous parlez d'une coïncidence, hein? Oh, c'est fou! Ça tombe hyper bien! On part demain, c'est ça? Eh ben voilà! Parfait! Bienvenue dans l'équipe! Bon, ben ça y est, on est au complet! Allez, maintenant, au dodo! Une longue route nous attend!
plus que quelques jours et ce sera la fin de la tyrannie. J'en sais rien, Pong. J'espère que t'as raison. Chut. On y est presque. Plus que quelques jours et ce sera la fin de la tyrannie. Hein? Ping? Pong? Oui, bon, bah, c'est pas le moment de jouer à cache-cache. Hein? Pas bon, ça. J'aime pas ces bestioles. C'est un anaconda. Il a dû partir dans cette direction en emportant Pong. D'ailleurs, ça devrait l'occuper pendant un moment. Profitons-en pour vite partir dans cette direction. Partir? Hors de question. Ça tombe très bien. Ingénieur, ça fait un moment qu'on n'a pas fait d'exercice. Occupez-vous de Ping en m'attendant. J'en ai pour 5 minutes. Au secours. Banzai! C'est pas mal, mais pas encore parfait. Observe bien. Hé, hey, ver de terre! Ouais, ouais, c'est bien à toi que je parle, l'affreux. Alors écoute-moi bien. Tu relâches l'oiseau rigolo et je te laisse partir sans rien dire. Je passe l'éponge pour cette fois. Je pense que ça fait longtemps qu'on t'avait pas fait une proposition aussi correcte, non? Prépare-toi à subir la colère du grand guerrier tigre! Grrrr! On reste là, fiston, et regarde bien. Tu l'auras voulu, vermicelle! Banzai! Presque. Un serpent! Pong! Vite, il faut faire quelque chose! Mais t'inquiète pas, Ping. Maurice et Junior sont allés chercher ton frère. Ils vont en faire qu'une bouchée de ton serpent. Oui, Maurice va taper le serpent très très fort. Quoi? Mais ils n'ont aucune chance. Ah! Enfin quelqu'un de sensé. Je suis entièrement d'accord avec vous. Bon, par où ils sont partis? Ils ont suivi ces traces-là par terre. Lâche-moi, lâche-moi! Vos désirs sont des ordres. T'étais plutôt coriace, mais là tu t'en es vraiment pris à plus fort que toi. Et voilà, déjà une grosse limace de moins. T'as vu ça, fiston? T'as tout enregistré? T'as bien noté l'importance du cri lors de l'attaque? Ça l'a quasiment paralysé, t'as vu? Et les yeux, hein? Bien regarder son adversaire dans les yeux pour l'impressionner, ok? Bon, leçon du jour terminée. Pong! Pong! Le serpent! Quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ne t'inquiète pas, Pong, c'est fini. Il n'y a plus rien à craindre. Parce que le grand guerrier tigre veille sur nous. Compte, Junior, c'est certainement la première fois que des tigres foulent cette terre. Hein? Vous avez froid? Vous voulez venir? Non, j'ai pas froid du tout. Bon, si on y allait là... Chouette! Tapez les méchants moches! Hé, cochon, on va taper! Oui, et le plus tôt sera le mieux. On n'a pas trop envie de s'éterniser ici. C'est pas très chaud chez vous, quand même. C'est par là? Allez, hop, on y va! Bonjour, ça tombe bien, vous pouvez peut-être nous renseigner. Alors voilà, on cherche des vilains morses pour leur mettre une raclée. C'est des espèces de grosses limaces toutes moches avec des dents ridicules. Vous les auriez pas croisées par hasard? Hein? Oh.
vois des étoiles, j'ai mal à mes poils, j'ai pris une raclée, je suis tout décoiffé. Bob, non, je t'en prie, ne me quitte pas. Oh, oh, tu m'as fait peur. Ça va? J'ai faim. C'est très gentil à vous de nous avoir envoyé des bouffons. C'était très divertissant. Mais il fallait pas vous donner cette peine, misérable vermine. Voyez ce que vaut votre grand guerrier tigre. Vous avez payé cher votre rébellion. C'était une erreur. Silence! Nous ne pardonnons pas. Désormais, vous nous donnerez tout votre poisson et vous récupérerez nos restes. Mais d'abord, nous allons prendre une petite garantie. Elvis, Bully! Non! Laissez ma sœur tranquille! C'est pas juste! Laissez-la! Nous reviendrons dans 2 jours chercher notre poisson. Et si vos invités sont toujours là, vous ne reverrez jamais vos œufs. Tiens, prends ça. Hein? Et ils sont passés où? Ah oui, je me rappelle. Je l'avais à ma merci et puis pouf, le trou noir. Eh ben dites donc, il y en a des oiseaux rigolos. Salut, c'est moi Maurice, le grand guerrier tigre. Je suis là pour vous sauver. Ces morses, ils perdent rien pour attendre. Ils vont voir ce qu'il en coûte. Ils ne verront rien du tout. Vous allez partir, dès aujourd'hui. Hein? Pardon? Abandonner maintenant? Alors qu'ils sont à notre merci? Mais ça va pas dans ta tête? Non, ma sœur a raison. Elle avait raison depuis le début. J'aurais dû faire confiance à son instinct. C'était évident que c'était perdu d'avance. Le grand guerrier tigre et ses combattants de la liberté. Cette légende n'était qu'une histoire pour les bébés. Mon petit Pong, je comprends que tu sois un peu déçu. Mais bon, ils nous ont à peu près en traître là quand même. Hein. Il faut avouer que ton dessin de méchant mort, ça n'était pas super bien fait quand même. Mais on t'en veut pas, tu sais. Et puis, faut pas t'inquiéter. Demain ou plus tard, toute cette histoire sera réglée. Hé, hey, Pong, allez, puisque je te dis que tout va bien se passer. Allez, partez maintenant. Vous avez déjà fait assez de dégâts. Viens, Pong. Tu retrouveras ta sœur très bientôt. Bon, bah si toute la famille s'y met, il va falloir se débrouiller sans eux alors. Allez, au boulot. Hiya! Oui! Eh hey, oh, vous allez où comme ça? On a une mission à remplir, je vous rappelle. On avait une mission, Maurice. Tu les as pas entendus? Ils veulent qu'on reparte. Il y a plus de mission, alors. Ouais, et de toute façon, on a bien vu qu'ils sont plus forts que nous, les morses. Ils nous ont écrasés en moins d'une minute. Et en plus, il y a rien à becter dans le coin. Je suis fatigué, j'ai faim, j'ai froid, je veux rentrer chez moi. Ah, je suis fatigué, j'ai faim, j'ai froid. Je voudrais bien rentrer chez moi. Eh oh, les gars! Nous représentons ici la jungle sauvage, fière et indomptée. Nous sommes les combattants de la liberté. Nous sommes impitoyables et invincibles. Nous sommes des légendes. C'est notre devoir d'aider ces pauvres volatiles opprimés. Allons, mes amis, que ceux qui sont pour poursuivre notre noble mission lèvent la main. Ok, une petite minute, s'il vous plaît. Viens, mon petit Pang. Donc, où on en était déjà? Ah oui! Que ceux qui sont pour retourner dans la jungle et abandonner les pingouins et leur famille à leur triste sort, comme Pang et sa petite sœur, lèvent la main. Deuxième tour. Qui est pour poursuivre notre mission? Unanimité parfaite, j'en étais sûr. Bien joué, mon petit Pang. C'est bon, tu peux y aller. Les fiers guerriers de la jungle ne peuvent pas laisser de tels crimes impunis. Allez, les amis, notre première mission, récupérer les œufs. On a 5 minutes pour pondre un plan de bataille. 2 minutes suffiront. Ça, c'est parlé. Bien, les faux œufs sont quasiment prêts. On leur explique la suite. Patricia. Oui? Pendant qu'on finit ici, pourriez-vous, s'il vous plaît, partir en reconnaissance aérienne pour repérer l'endroit où les morses gardent les œufs? C'est que... En fait, je peux pas vraiment partir en reconnaissance.
C'est que... j'ai le vertige. Voilà, c'est dit. Ouh, ça soulage. Bah, c'est pas forcément si grave. Tu peux voler jusqu'à quelle hauteur? Mon record, c'est 1m32,5. Ah ouais, quand même. Analyse de la situation. Il lui faudrait un copilote. Quelqu'un d'assez léger pour s'accrocher à elle et qui la guiderait pendant qu'elle volerait les yeux fermés. Al? Je voudrais bien, mais je suis myope comme une taupe. En plus, il fait nuit. Il faudrait quelqu'un avec de très très bons yeux. Quoi? Pourquoi vous me regardez tous? Par où je vais maintenant? Je vois le camp des morses droit devant. Descendez un peu, s'il vous plaît. Stop! Vous pouvez me tutoyer, Gilbert, vous savez. Et n'hésitez pas à me serrer fort. Je ne voudrais pas que vous tombiez. Et voilà le dernier. Parfait. Ils y verront que du feu. Bon, phase 1 de la mission terminée. Nous avons repéré les œufs. Parfait, Gilbert. On peut passer à la suite des opérations. Bravo, crapaud! Patricia, vous pouvez le faire! Oui! Oh, Bob, ça va? Ça y est, ils sont partis. Je suis désolée, Ping. C'est toi qui avais raison depuis le début. Non, c'est rien. Moi aussi, je dois avouer que j'avais fini par y croire. Oui! Ouais! Ils sont plus là. Ils m'avaient promis qu'ils allaient sauver ma petite sœur. Ont eu de la chance. Et aujourd'hui, la chance a changé de camp.
jamais les morses. Ils seront quand même là demain. Et vous gagnerez jamais. On vous a déjà vu à l'œuvre. En plus, en ramenant les œufs, vous nous faites courir un grand danger. Non, mais c'est pas possible d'être inconscient à ce point. Vous avez peut-être eu de la chance cette nuit, mais faudrait pas en abuser. Mais cette fois, c'est pas pareil. Cette fois, on a un plan. On a un plan et surtout, on a une nouvelle armée. Ah bon? Et elle est où, cette armée? Je l'ai devant moi. Non, en fait, je parlais de vous, là. Oh. Elle arrive. Ah. Elle arrive. Moi, en tout cas, je vais me battre. Ma sœur ne grandira pas comme une esclave. Elle grandira dans un monde libre. Ouais. On est venu de loin, on a dû traverser les océans pour sauver des pingouins, pour taper les méchants qui les embêtent depuis super longtemps. Ça va pas être facile, mais en s'y mettant tous dès maintenant. Ces impitoyables combattants, on va leur tenir tête à ces vilaines bêtes. Mais pour ça, il faut s'entraîner en chantant. Petit pingouin, c'est l'heure, soulevez-vous. Gardez l'espoir, surtout restez debout. Maurice le tigre et ses sept fiers guerriers sont arrivés pour vous aider. Jungle Banquise, c'est le même combat. Nous les méchants, on n'est pas ça. Jungle et la bagarre, ça nous fait pas peur. Et vous, méchants limaces, si j'étais à votre place, je préférerais vraiment être ailleurs. Avec Maurice le tigre et tous les combattants de la liberté. Pour les petits pingouins qui sont tous les papas, la victoire a sonné. Petits pingouins, c'est l'heure, soulevez-vous. Gardez l'espoir, surtout restez debout. Maurice le tigre et tous ses fiers guerriers. Ensemble pour la liberté. Jungle Banquise, c'est le même combat. Nous les méchants, on n'est pas ça. Ça y est Gilbert, je crois qu'on est prêts. Ça y est Gilbert, je crois qu'on est prêts. Ils arrivent, ils arrivent. Allez, tout le monde en position. Prête pour le deuxième round? Vous avez décidé de nous défier à nouveau? Bien, tant pis pour vous. C'est parfait. Pour l'instant, tout se déroule comme prévu.
Bravo, fiston. Tu n'as pas l'air mauvais, toi. Ne touche pas à mon fils. Accroche-toi, Junior, j'arrive. Top, top, top. Vous êtes vraiment moche. La tête au cachet, vous tout cloche. C'est ridicule quand vous courez. Vous pourrez jamais me rattraper. Cochon a sauvé Miguel. Cochon est mon copain. Pas taper Cochon, vilain monstre. Junior. Morbleu, cette abjecte créature se dirige vers les œufs. Largue-moi et va vite chercher de l'aide. Je vais essayer de le ralentir. Si tu veux toucher à une plume de ces enfants, il faudra d'abord que tu me passes sur le corps. Et des souris volantes. Miguel tapait la grosse patate. Pas quoi, Miguel, vainqueur. Ta dernière heure a sonné, lâche gastéropode. Tu vas bien, fiston. Je te règle ton compte vite fait. Puis je prends un petit ton cas. Bob, on lui dit? Tu vois la peau de notre dos, là? Elle est extrêmement venimeuse. Non, ça gratte, ça pique. Tous les œufs sont à leur place. Adieu, vilaine grosse limace. On vous a mis la pâtée. Fallait pas nous embêter. Maurice! Monsieur Maurice! Oh, mais il est trop triste!
Miguel pleurait. Un grand guerrier s'est sacrifié et il va beaucoup nous manquer. Qui c'est qui va nous protéger maintenant qu'il nous a tous quittés? Quoi? Mais qui c'est qui est mort? Qui c'est? Dites-le-moi vite, que le grand guerrier tigre aille le venger. Ah, je suis fier de toi, fiston. Le regard, l'attaque, le rugissement, tout était parfait. Plus besoin de leçons. Sûr que vous voulez pas rester un petit peu? Notre mission est finie. Faut vite que je retourne faire régner la terreur sur la jungle, moi. Mais bon, vous vous débrouillerez très bien sans nous. Vous vous en êtes quand même pas mal sortis pour les oiseaux qui savent pas voler. Merci encore, Maurice. Et toi, mon petit Pang, du sang de tigre coule dans tes veines. Veille bien sur le village. Alors, qui c'est qui avait raison, hein? Redis-le. C'est Pong qui avait raison, c'est Pong le plus intelligent et le plus fort. Eh ben voilà, j'aime mieux ça. Et au fait, à propos de quoi j'avais raison? Redis-le pour voir. Parce que Maurice était bien le grand guerrier tigre qui nous a libérés. Et heureusement qu'il y avait Pong pour le reconnaître et le ramener pour nous sauver. Merci, Pong. Bon, eh ben on y arrive quand même. Ragoût de mouche farcie à la purée de larves tièdes. On est quand même bien à la maison, non? Je suis une star maintenant, connue internationalement. Oh yeah. Non, y a vraiment pas moyen d'être tranquille, hein. Vous formez une sacrée équipe quand même. Mais la trêve est terminée. Les bêtes les plus sauvages de la jungle sont de retour. Grrrr !